old balloon? Salut les amis, c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Press Start Button et cette fois-ci, on va découvrir ou redécouvrir ensemble le très très bon The Dead on Return of Superman. Donc un jeu qui est développé par Sunsoft et édité par Blizzard Entertainment. Donc un jeu, si jamais vous voulez l'avoir en édition physique, donc en cartouche, en version boîte et tout, et ben vous allez devoir débourser carrément la peau des roupettes. Et oui, et c'est peu de le dire parce que ce jeu coûte une blinde. Et on ne pourra pas le payer en kryptonite. Donc voilà, on va faire start si on peut, voilà. Je m'étais trompé de bouton. Donc les options... Les options sont test, stéréo mode et il n'y a rien d'autre. Attaque spéciale, shoot, jump. Ok, ok, c'est parti. Donc je ne sais pas, je pense que le jeu était quand même sorti en version européenne. Mais j'en suis pas sûr, mais il me semble bien que oui. Mais il n'est pas très très courant, il est très recherché et il coûte la peau du cul. Metropolis, Prison Day, a peaceful summer evening once a day. Un très très bon beat'em all que je n'ai pas eu à l'époque malheureusement et que je vais découvrir avec vous. J'en avais vu des vidéos, des tests et tout de bonne époque de MicroKids etc etc, Télévisator 2, mais je n'ai jamais eu la chance d'y jouer. This looks like a job for Superman. Il y a la classe quand même, il y a la classe. Allez, c'est parti, level 1, siège of the Underworlders. Vous avez remarqué mon accent presque parfait. Allez, donc le perso est assez grand, et ça c'est assez chouette. Vu la taille du perso, il me fait un peu penser, mais bon, ça n'a rien à voir vu que c'est pas le même éditeur, c'est pas le même développeur. Il me fait penser fortement à Batman Returns, donc sur Super Nintendo. Batman Returns qui est pour moi la meilleure adaptation de Batman en jeu vidéo de l'époque. Parce qu'après, ben, sur les consoles 360, PlayStation 3, il y a eu la série des Batman Arkham Knight et tout ça qui était excellente. Mais sinon, en 2D... Du moins, dans mes souvenirs, la meilleure version de Batman, c'était le Batman Returns de la Super Nintendo. Comment on prend ici? Oh putain, je le perds déjà. Tu vas morfler. Moi aussi, je vais morfler, tiens. Bon, Quasimodo, là. Toi, Belzébuth. Celle-là. Là, on va faire gaffe de pas se brûler les roupettes. Ben ouais, ça, c'était quasi sûr et certain. J'aime bien ce petit mouvement circulaire quand il attrape l'ennemi, là, pour le balancer. Il a les yeux revolvés. Bon, on va arrêter de faire le con. Quasimodo, là, il rigole pas. Hein. On dirait un croisement entre Quasimodo et Hellboy. Toi, rigole pas.
Rambo. Non mais, franchement, elle a appelé un bouc Rambo. Adrienne va en être chèvre. Franchement, il est super... super beau comme jeu. Super beau, Rambo. Hop, 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 hop. Super coup. Paf, tiens. Par contre, j'ai pas regardé, mais il me semble que ça enlève de la vie. Bon, là, on va faire gaffe. Putain, bah ouais, je me doutais bien. Bon, oh là là, je me dis, je vais aller récupérer la vie qu'il y a là. Et voilà, ça ne servira à rien d'aller récupérer la vie puisque je suis mort. Le prochain qui rigole, il se ramasse ça sur la tronche. T'as rigolé? Eh ben, il se l'a pas ramassé sur la tronche. Je fais un gros bide en fait ici. Tiens, prends celui-là. Les musiques sont assez sympas également. Et bim. On va le prendre tout de suite. Donc le perso est assez grand, c'est assez chouette. Parce que les petits émoles, souvent les persos sont un peu plus petits et tout. Donc ici, les persos sont d'une taille assez raisonnable et c'est assez agréable. La maniabilité, franchement, elle est très bonne. Les boutons font leur taf. Donc voilà, j'en profite également pour faire un petit coucou à Boutique Retro Gaming, donc j'en parle encore parce que ben, évidemment c'est grâce à eux que je possède la Super Kintaro et la Nespi. Et donc ce qui me permet de jouer, de découvrir, redécouvrir des petites perles comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans leur boutique. Il y a pas mal de consoles différentes avec des capacités de mémoire différentes, donc il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts. Et vous trouverez certainement votre bonheur. Et si vous êtes fan comme moi de jeux rétro, ben vous ne pourrez que trouver votre bonheur. De plus, je le répète encore une fois, mais si vous faites vos achats et que vous entrez le code JOEHAZARD, donc en un seul mot, vous bénéficierez d'une petite réduction de 7% sur vos achats, ce qui n'est pas négligeable. Tiens, hop. Et hop. Tête de cloporte. Donc voilà, je les remercie encore une fois pour ce superbe cadeau. Ça fait vachement plaisir. Hop là. Hop, ding. Ça ne mange pas de peigne. Un bon beat'em all à l'ancienne, franchement, ça c'est bon ça. Ça, je kiffe les amis. Il a vraiment la tête à Hellboy hein, quand il tire là. Hop. Un Quasimoldboy. Ou un Hellmodo. J'avais pas fait attention, on peut envoyer les ennemis ben, dans le fond du décor comme dans Batman Return d'ailleurs. On pourrait croire que c'est la même équipe qui a fait le jeu. Parce qu'il y a assez bien le point commun. Le perso de Krontai, on peut envoyer les ennemis dans le fond de l'écran à certains endroits. Comme ici par exemple, parce qu'il y a la machine sûrement. Faut encore que je l'attrape. Ouais, voilà. Bon là, on va faire le super coup. Là par contre, il faut être bien en face pour lui faire les yeux revolver. Et le regard qui pue. Elle a tiré la dernière, elle m'a touché, elle s'est foutu.
quel bonheur. Enfin, c'est pas un bonheur d'éviter les trucs, mais je dis quel bonheur de rejouer à ce jeu. Enfin, de jouer, parce que j'y avais jamais joué avant. Et de redécouvrir un titre comme ça. Il y en a eu des titres qui me faisaient rêver à l'époque de MicroKids, de Televisator 2, quand je les voyais. Et là, pouvoir y jouer, ben, enfin, oh putain, je continue. Là, de pouvoir enfin les découvrir blindés d'années après, ça fait plaisir. Et là, on va recommencer depuis le début, je parie. Je babelle et je suis pas concentré. Allez, on va essayer de passer au moins le premier niveau. Je suis sûr que j'étais pas loin. De la fin du premier niveau. Voilà, si c'est pour le balancer au-dessus des ennemis, Joe. Passer le truc. Oh, j'aime bien ce petit mouvement circulaire quand il attrape l'ennemi et qu'il leur balance. Putain, j'ai pas eu le temps de sauter à temps. À chaque fois je me fais une crispation des roupettes parce que je crispe mes roupettes, ouais, quand je suis saisi, que j'ai pas le temps, que je réalise sur une fraction de seconde que je vais pas avoir le temps de... d'agir. Il y en a, ils serrent les fesses et moi je crispe les roupettes. Ça m'arrive. Enfin, je fais les deux. Je dis pas, hein. Bon, arrête de raconter des conneries. Tu tapes à côté de Quasimodo là. Ah bah ça va, on a moins perdu d'énergie que tantôt. On va prendre le truc ici. Allez Rambo. C'était pas ma guerre. Ça là, ça ferait plutôt... Mais c'était pas ma guerre. Allez, avoue-moi, tac, ah bah là. Je gère plus que tantôt, hein. Un tic. Igor, c'est presque Idol. Igor. On tape, donc on renvoie le bazar à côté, on ne te dira rien du tout. Là il est temps. Ça me semblait bien que c'était ici que ça s'était mis à trembler. En fait ça va, c'est pas encore trop dur, il suffit de bouger sans arrêt. Qui me touche, hein, le petit goré là. T'as vu comment je t'ai attrapé au vol?
punaise, j'ai pas eu le temps de sauter. Hein. Le temps que je réalise, il avait déjà fait sa roulade, le macaque. Bon, il faudrait un petit truc d'énergie, là. Putain, t'es... Bien aimé mon petit coup de laser sur le front. Voilà, ça vaut bien la peine, mais c'était pas ça en plus. Il y en a des bleus et des oranges. L'orange, je sais pas ce que ça correspond. Non! Vous avez entendu le petit non sec là, genre j'y croyais plus. Je croyais que je m'étais fait avoir, j'allais me faire avoir et bah là voilà, pour le coup, j'aurais pu le faire le petit non! Au petit nom de Dieu. Cloister. On dirait le nom d'un gâteau anglais. Cloister. Bonjour. Tu veux mettre un cloister pour 8 personnes? Non, avec de la crème fraîche. Ah putain, mais il me fait mal, hein. Tiens. T'aimes bien mon regard qui tue, hein. Et voilà, cluster. Là, je prends la pousse. Level complète. Et ben voilà, c'est déjà ça les amis. On aura au moins passé un niveau. Ruthless are bringing on Snow Origin as running Metropolis, destroying everything things that are fast. Not even the Justice League can stop it. Doomsday Hair. Ok, il est beau. Ok, il est beau. Le lavabo, okidele, le bidet. Only Superman can save a snow. Derrière moi quand je tombe de mon lit. Level 2, Doomsday in Metropolis. Celebrate and done it to free. C'est le prix du dernier to free. Oh putain, il va falloir éviter les trucs. Bah ici ça fait penser un peu à Turtle in Time. Le stash, il me semble c'était le stash sur le bateau, là. Le bateau pirate, non? Ou alors sur... juste avant de rencontrer le boss, là, l'espèce de mouche. Ah bah ils peuvent se faire avoir aussi, tiens. C'est cool ça. Qu'est-ce que tu me veux toi avec ton Vibro 2000? Celui-là il a le modèle 3000. Je pensais qu'on allait avoir droit à une phase de shoot. Je me dis, tu attends d'aller à l'entretien avec ta moto parce que... Putain, t'y... Ce briquet avec des flammes vertes, c'est pas légal ça, monsieur dame.
Je dis monsieur dame parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Change. Ouais, ça, les persos, ils ont le nom de leurs armes, Molotov, Chenzao. Heureusement qu'ils se battent pas avec des sticks USB. Hein. Et alors ? Oh. Oh punaise déjà. Oh merde. Bon, on va faire continuer, on va voir si on recommence de là ou... Je ne pense pas. Doomsday Metropolis, on va recommencer du début du... Doomsday Metropolis. Bon, si on recommence du début, je sais pas si je vais le faire. Bon, on a combien de temps de vidéo les amis? 21 minutes. Bon, on va quand même continuer une fois. Et si je meurs, eh ben, on arrêtera là pour cette vidéo. Arrête de m'allumer. Bande de dévergondés. Mais c'est qui me titille? Les roupettes avec son truc. Mais ça, on s'est pas frappé dedans. À chaque fois. Hein. T'aimes ça, hein, cochonne. Bon, je t'avertis, tu vas pas me faire chier comme tantôt. Hein. Bim. Perso tout droit sorti d'un film des années 80. On croirait à un moment que Jack Russell va se ramener. Tiens, ça tombe bouche un coin ça. Merde, j'avais plus de super con. Putain, mais il abuse hein, là, Axel. Claque. Punaise. Punaise, mais je sais rien faire. J'ai même plus de super coup donc... Punaise, mais défends-toi, Superman! Putain!
Putain! C'est incroyable! Allez, on réessaye une dernière fois. Sans super coup, au corps à corps, il trouve une torgnole avec sa main griffue et hop. C'est pas facile, hein. En plus, il n'y a pas de niveau de difficulté, donc... c'est chaud boulette, hein. Il faut essayer de garder les super coups pour le boss. Mais Jack Russell, tu m'emmerdes. Bon, le gang des Punky Brewster, là. Pas évident de pas utiliser les super coups quand ils sont à 2-3 là. Pendant que tu te tapes, il y a toujours l'autre avec son moche pantalon qui vient te lancer un molotov. On va changer de fringue. Et quand les trois fous du vibro seront là en même temps, allez, laisse-moi... Punaise, il n'y a même pas que la moitié de son énergie de partie fait avec les trois super coups. Corps à corps, c'est impossible quoi. Tinti. On l'a eu quand même, nom de tchuss. Enfin j'espère parce que là... Au pire vous verrez quand même un petit peu du niveau d'après, enfin de la dernière partie du niveau. Du stage du... Ça y est, l'autre qui mettra le corps le fion. Pardon. Mais ils en veulent à mon cul. Hein.
Ouh, je suis content d'avoir récupéré. Un peu d'énergie. Pour pas longtemps, mais... Et ben voilà. Je sais que c'est pas évident ce jeu, franchement. Voilà, on a une demi-heure là, je pense, donc c'est plus raisonnable qu'on arrête là, les amis. Voilà, voilà. Ben, si jamais vous voulez à l'occasion que je vous refasse un épisode et que j'essaye d'aller à la fin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais éventuellement lancer une nouvelle série de Prestart Button, mais où je vais obligatoirement jusqu'à la fin. Enfin, où j'essaierai du moins, parce que ça, je ne promets rien. Hein. Voilà, donc ici apparemment on allait continuer infini, mais bon, à chaque fois on se retape le début du niveau, mais bon, on verra à ce moment-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu également. Voilà, voilà, tous vos commentaires sont les bienvenus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis, en tout cas je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien, ciao ciao.